Bonjour, bienvenue à vous pour cette vidéo inutile du jour du 1er avril. Qui dit 1er avril dit poisson d'avril. Donc peut-être que certains d'entre vous sont déjà tombés sur les sites qu'ils fréquentent habituellement sur les poissons d'avril dont on a droit tous les années sur les sites internet comme sur l'équipe, le monde, enfin peut-être pas le monde parce que c'est un peu plus sérieux, je ne sais pas, mais donc. Il est 15h, donc je vais faire un petit recensement de ce que moi j'ai trouvé, ou bien de ce que j'ai trouvé par rapport à sur Wikipédia, évidemment, hein, ou bien sur d'autres sites. Et un petit recensement donc de ces poissons d'avril de la journée. Et donc il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont nuls, enfin c'est habituel quoi. Et voilà, donc on va commencer avec moi, mon préféré, enfin il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Mais il y en a un que je trouve assez bien foutu, enfin, il est marrant, c'est donc celui-là que je vous montre tout de suite. Et le premier site où on arrive, c'est l'Apple Store. Donc ici, sur l'Apple Store, sur la page d'accueil, vous pouvez donc voir cette affiche qui risque d'intéresser beaucoup de personnes et qui vont voir ça et vont dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc on arrive sur cette page. Donc du cul, notre sélection en partenariat avec Canal+. Voiture volée encore moins chère que les prix d'occasion. Donc des applications sur l'iPhone avec la mafia marseillaise. iVibrate avec plus besoin de sextoys avec votre iPhone. Ça, à mon avis, c'est déjà le cas pour certaines personnes. Hein. N'est-ce pas Karim? Ensuite, nous avons Escort Locator. Donc voilà, donc toutes ces sélections dont en fait, quand on clique dessus, on se dit oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et quand on clique dessus, en fait, ça donne juste iTunes pour. Ça donne juste l'iTunes dans l'App Store normal. Et puis donc après, j'imagine qu'il y a des gens qui ont peut-être cherché ça pendant des heures. Mais non, ils se sont fait niquer et ils l'ont dans le cul. Donc ensuite la deuxième, ça concerne le site FDLC, donc qui est un site de vente en ligne d'appareils électroniques, cartes graphiques, ordinateurs, pièces. Ils vendent des pièces d'ordinateurs, ou peut-être des pièces de monnaie, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Et donc leur poisson d'avril, en fait, je vous le montre tout de suite. Il est bien foutu, c'est marrant, enfin c'est un jeu de mots qui est digne de moi, donc voilà. Donc le site LDLC qui se prénomme maintenant le dieu de la carpe, LDLC toujours, qui nous propose son menu d'accueil, etc. avec les poissons, les crustacés, les mollusques, les appâts, les accessoires de pêche, les recettes de la mer. Donc les recherches, exemple, Super Mario Carpe, ou votre panier qui se transforme en filet, évidemment, puisqu'on reste dans le domaine de la pêche. La carpe graphique, évidemment, qui vitesse de nage de 0,40 mètres seconde. Voilà, la carpe koi, donc je ne connais pas la carpe koi, mais je ne suis pas suffisamment. Donc toute la page d'accueil est comme ça, donc les offres de la mer, donc on a dans les poissons les carpes graphiques, la carpe mère, la carpe mémoire, le piranha cornicova, le colermayer, la perche melba, le lecteur Blu-ray, évidemment, le meroupette. Dans les crustacés, nous avons le homard matué, qu'est-ce qu'on a d'autre? La langoustine Bieber, hein, l'écrevisse Presley. Franchement, je pense ils ont vraiment fait fort avec tous leurs jeux de mots, etc. Mais complètement, ils ont fait entièrement la page d'accueil du site. Je trouve ça vraiment super, super marrant. Donc dans les appâts, qu'est-ce qu'on a? La sauterelle dans Rougerie. Enfin voilà, les verres à moitié pleins, la larve à beau, donc ils ont vraiment tout refait, donc elle est vraiment super marrante cette page d'accueil. Je pense qu'ils se sont vraiment fait chier, et puis je tiens ce qui c'est bien signalé quoi, j'aime bien, je trouve ça très drôle, hein. Voilà, c'était le poisson d'avril de LDLC, le dieu de la carpe. Donc pour moi, je pense que LDLC remporte quand même la palme du poisson d'avril parce qu'ils se sont vraiment, ils se sont bien fait chier quoi. Alors après, quand on va sur Wikipédia, donc Wikipédia est un site où on ne s'amuse pas et on découvre tout de suite tous les poissons d'avril recensés, enfin à peu près tous, parce que je pense qu'il y en a quand même des milliers, des milliers, des milliers. Alors à la radio, par exemple, sur France Bleu, on annonce que Valérie Damidos sera un personnage récurrent de la saison 8 de Desperate Housewives. Non, Valérie, ça va pas être possible. Non, quoi qu'elle est sûrement désespérée, mais non. À la télévision, BFM TV annonce que Nicolas Hulot ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2012. C'est super drôle.
Dans la presse, un Science et Vie Junior lance son traditionnel poisson d'avril en publiant un faux article traitant d'une apparition mystique sur une tablette d'iPad. Pourquoi pas? Si ça vient des États-Unis, ça serait même pas un poisson d'avril, tellement ça ne m'étonnerait pas, parce que moi, la dernière fois, j'ai certainement vu Jésus dans un plat de spaghettis, mais je n'y ai pas prêté attention. L'équipe annonce que Judoka, bon, enfin bref, il y en a plein qui sont plus ou moins intéressants. Donc le groupe LDLC, donc ils en parlent, ce qui est quand même bien foutu. Sur jeuxvideo.com, on annonce que le ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel, aimerait voir les jeux vidéo comme épreuve du baccalauréat en 2012. Donc voilà, c'est jeuxvideo.com. Sur Yahoo, on annonce que Kate Middleton, donc la future épouse du prince William, voudrait rompre le mariage. Oh, les poissons d'avril people, c'est tellement drôle. Et donc le site internet de Metro annonce la fin de Facebook suite à une décision de la Cour suprême des États-Unis. Alors la suppression de Facebook, on avait déjà eu il y a quelques semaines, il me semble, les gens ont commencé à avoir peur que Facebook soit supprimé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Après, il y en a qui sont beaucoup moins drôles, il y en a des petits trucs à droite à gauche. Et donc, pour finir, on va voir des vidéos de poissons. Parce que les poissons, bah, c'est bien. C'est tout. Si vous n'aimez pas les poissons, bah, allez vous faire mettre, hein, par une anguille. Une anguille. Une anguille. Bah oui, tu connais pas ce que c'est une anguille? Alors l'anguille, tu la pêches avec une aiguille. Donc tu pointes l'anguille avec ton aiguille, tu la tues. Mort, tadin, tadin, poisson mort, tadin, 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 poisson mort, tadin, 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 poisson mort avec des ours, tadin, tadin, poisson mort, tadin, tadin, poisson mort, tadin, 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 poisson mort, tadin, tadin, poisson mort, tadin, t-shirt avec une bite, tadin, poisson mort, poisson mort.